Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode j'allais dire Dragon Quest, pas du tout, Fable Anniversary. Je suis allé dans l'XP, j'ai augmenté ma force et ma vie. Du coup maintenant je suis au niveau 3 de force et niveau 2 de vie, donc je peux maintenant utiliser mon épée. Ma grande épée que j'avais achetée au magasin de Whisper. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, les ondes sonores peuvent envoyer ta tête dans le soleil. Je l'ai vu, mec. Je te jure. D'accord, la drogue c'est mal, tu sais. Si je n'avais pas perdu mon champi de vérité à la guilde, je pourrais te montrer. Oui. Ok. Si tu restes immobile, je peux voir ton squelette. C'est trop fort, ça, mec. T'es de la guilde, non? Quel endroit? Quand tu y retourneras, tu pourras... J'étais sur les pierres dans la mare près de la porte qui parle, quand le champi m'a échappé des mains. Hop! Ok, c'est vraiment des shootés, ces gars. On va juste aller parler à la personne qui arrive là et on va aller chercher le champi, je pense. Ou bien cette statue tourne toute seule? Bonjour, et je cherche quelqu'un pour m'emmener à la ferme au verger. Si vous m'aidez, je vous paierai. C'est un coin dangereux pour les marchands. Bon, ouais. On vous donne un quart de la somme maintenant, et le reste lorsqu'on sera rentré sain et sauf. Ok. Si vous décidez de m'escorter, revenez me voir, je ne bouge pas d'ici. D'accord. Bon, on va chercher le... Le champi, on va escorter le vieux après. Il raconte des tunnels dans ses jambes. Oh, la drogue, c'est mal. Hop, la guilde des héros. Ils arrivent. Préparez-vous. Quoi, ils arrivent, mec, calme-toi, range ton arme. Il est pas bien celui-là. Du coup, ils m'ont dit... Attends, c'est qui? Rejoignez-nous donc, héros. C'est vite, nous arrivons dans les quartiers des serviteurs. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais une visite? Je cherchais le champi et je reviens te voir pour la visite. Quitter de la mare près des... Ah, on est plutôt swag comme ça. Du coup, faut qu'on aille aider les marchands. Zut, c'est pas là. Le mec il m'a dit qu'il bougeait pas. Il a bougé. Ah, il est là. Hop. Vous m'emmenez à la ferme. Utilisez l'expression. Quand nous serons dans une nouvelle région, je vous dirai si nous sommes sur le bon chemin. Si vous voulez que je m'arrête, utilisez attendre. Oh, avant que j'oublie, voici votre avance. Vous aurez le reste quand nous arriverons à bon port. N'allez pas trop vite. Je ne serai peut-être pas capable de suivre. 125. Ok. Du coup, c'est parti. Entrée de Great Wall. Sortons les épées. Oh merde, elle est hyper lourde. Ah. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette épée de l'arnaque? Attends. Pardon. Poids lourd. Merde, c'est nul. Moi, j'ai gardé mon katana pour l'instant, parce que là, c'est nul.
Oh, je me suis fait entuber. Allez, dégage. Je manque beaucoup plus mon niveau de force, du coup. Salut, les villageois. Allez, marchands. Ravi de vous servir. Élevage de... Élever des tatouages. Ah, enlever des tatouages du griffon. Enlever des tatouages. C'est un jardin. Talin. C'est trop bien, Talin. Hop. On appuie sur les jambes. Voilà. Darkwood est un endroit dangereux. C'est obligé de parler tout ça en même temps là. Pour dire la même chose. Hop, tu dégages. C'est bon, je couvre. Hop, le cop des ânes. Aïe, tiens. Non, mais oh. Hey, toi. Mange mon attaque spéciale. Tiens. Hop, et le dernier. Qui est ici? What the? Tiens. Avec vous. Non, mais oh. Yo mon villageois copain. Je sais pas. Quand il y a deux trucs qui clignotent là. C'est quand c'est des marchands. Je sais pas. Trop de trucs. Je sais pas. On va aller là. Ferme au verger. C'était nul. Salut. C'était un peu nul. Pourquoi ça clignotait par ici alors? Personne ne le sait. Oh là là. Elles sont plus puissantes. Hop là. Non. C'est toi, ça fait quoi si je bute mon pote? Tiens. Je me reposerai bien. D'accord. Ça me donne juste des points de démon. C'est bon, je vais plus t'embaucher. Il n'a pas l'air de Tiens. Ils sont à moi. Tiens, boum. Là, la viande rouge. Milou, mon marchand que je suis censé escorter, je sais pas où il parti, où il passé ce con. Et pop des ânes. C'est bon, je me couvre. Ouais, en fait. Faites-moi juste signe et je vous suivrai. D'accord, viens. Suivez-moi. Passez devant, héros. Oh là là, putain, voilà, fallait faire masse. Ou bien cette statue tourne toute seule. Bon, hey, salut! Avec vous! Oula! C'est quoi, lui? Tiens! Tiens, il m'astock celui-là! J'étais vers Knossolglade récemment. J'ai entendu de terribles hurlements. Et tu meurs quand au bout d'un moment? Ah bah voilà. Mais putain. Pas si vite, je ne cours pas aussi vite que vous. Oh oui, un coffre. Et dedans il y a. Amélioration perforation. Ok. Du coup. Avançons.
C'est vous, chasse poulet, je suppose. Bon, par contre, toi là, je peux te tuer ou pas? Arrêtez! Voilà. Voilà. Parce que j'avais pas envie de juste lui dire. J'ai plus envie que tu viennes avec moi. Je joue là, comme ça je l'ai buté. J'ai gagné des points. Pas si vite, je ne cours pas. Oui, bah arrête de parler et marche. Ce sera déjà mieux. Tiens! Tiens! Tac tac tac. Eh vous! Mourez! Il y a plein de trucs ici. Les choules. Plein de potions. Et un coffre. Et dedans il y a. Un élixir de volonté. Du coup. Eh, d'où tu touches à mon pote? Ça va, mec? Vite! Je peux pas genre te soigner? Vous n'avez pas oublié le chemin! Nous allons à la ferme au verger! On va à la ferme au verger, vous vous rappelez? On perd du temps! Hey. Ok, c'est très chaud. Il n'a pas l'air d'un chasseur de poulets. Ferme au verger? Bah c'est vrai, c'est... Essayez d'augmenter votre multiplicateur. Moins vite, je ne suis plus... Arrête de parler et avance, putain. Ne partez pas, attendez-moi. Tais-toi. Ah, la ferme au verger. Loué soient les dieux. J'étais plus protégé par mes sous-vêtements que par vous. Je suis en vie par miracle. Oubliez donc la récompense. Quel fils de pute. Bon. Du coup, on va faire la mission principale là-bas. Chose de bien qui pouvait lui arriver. Magnifique. Des bandits ont installé un péage dans le coin. Prudence. Yeah, ok. J'espère que vous avez l'or. Ces bandits nous tueront pour s'amuser. D'accord. Salut. C'est un chemin privé et le passage sera payant. Ou on pourrait utiliser ta tête comme décoration. C'est comme tu veux. Je sens pas d'or sur toi. Pas assez en tout cas. Tu ferais mieux de t'en procurer vite fait. Je vois toujours pas d'or. Ah ouais, bah les couilles frère. Moi je rentre si je veux. Hé hey, hey. Non mais oh, vous prenez pour qui à faire payer les gens? Tiens. Tiens, tiens. Tiens, boum. Non mais oh. Un si gros sac pour juste 5 pièces. Une tarte. Et attention. Salut.
Je fais tellement peu de dégâts, c'est incroyable. Tiens. Enfin, par contre là, les gars, les arbalètes là, c'est un peu infâme là. Hop, toi tu meurs. Tiens. Non mais oh, meurs. Tiens. Meurs. Voilà. Mouahaha. Too easy. L'amélioration flamme. Pièces d'or. Et est-ce que du coup je peux améliorer mon équipement? Oh mon dieu, c'est quoi ça? What the fuck? Oh, c'est quoi ces mages de l'enfer? Blablabla. Ça. Augmente donc ton multiplicateur de combat. Oh mon dieu, hop, ça dégage. Hop, les potions. Hop, de la viande. Et quoi là-dedans? Entrée grotte Aubd. Ok. Il y a plein de gobelins. Blablabla. Et bah non. Tac tac. Et hop, on esquive. Toi tu meurs. Boum boum boum. Voilà. Vous êtes quoi? Tiens. Là c'est juste un petit peu chiant là, qu'il y a que ça partout. Hein, donc on va se barrer, à jamais. Allez, salut bande de loups. Bon, ça te plaît? Augmente d'eau. Encore? T'es un peu chiant, allez hop, salut. Entrée de Darkwood. Enfin, vous voilà! Je croyais que nous allions mourir dans cet endroit! Là, voilà la quête. Nous devons nous rendre à Barrowfields, à l'autre bout de Darkwood. Ouvrez le chemin, nous suivons de près. Plus vite nous aurons quitté cette maudite forêt, mieux ce sera. Des choses pas naturelles y rôdent. Je suis derrière vous. Allez. Suivez-moi. Dans Darkwood, vous trouverez la chapelle de Skorn. Plaisez aux divinités et elles insuffleront le mal dans votre âme. Oula, non. Pas trop envie d'avoir le mal dans mon âme. Quelque chose m'a mordu et laissé pour mort. Vous pouvez m'emmener? On ne peut pas le laisser nous suivre. Il est infecté. Il nous mangera avant qu'on s'en rende compte. Nous avons prêté le serment des marchands. Il faut l'aider. C'est pas une bonne idée. Vraiment pas une bonne idée. Je paye bien et je ne vous causerai pas d'ennui. Allez. Merci. Je vous suis très reconnaissant.
Vous d'abord. Parce que nous, on doit être gentil. Hop là. Allez, les marais. Ok, des grenouilles garous. Salut la porte. Attention voyageurs, seuls les plus aguerris peuvent passer par moi. Mes gardiens peuvent mettre à les passer l'épreuve et ce que je cache est à vous. Allez. Je vois que tu es fin, prêt, gardien. Oh là là. Non, ça dégage, ça dégage. Merde, c'était pas lui. Putain, mais c'est infâme. Parce que je me tape l'épreuve de la porte et les mobs normaux en même temps. Allez, meurs. Au bout d'un moment, ça serait sympa, merci. Boum. Vous avez maintenant assez de renom pour utiliser l'expression « pose viril ». Il était avec d'autres marchands, ils sont restés... Votre nouveau nom est reconnu. Voilà, je suis reconnu maintenant. Allez, meurs. Putain, encore. Il va y en pop combien, cette porte? Je suis avec vous. Vous d'abord. Vous avez atteint un excellent multiplicateur. Je suis attaqué. Je ne peux pas te faire. Je pourrais tuer quelqu'un. Qu'il y en a plus. J'ai l'impression d'être parti depuis des semaines. Passez devant. On doit plus être. J'ai bien réfléchi. Je suis en pas de soucis. Je m'occupe de vos marchands. Je ne sais pas pour vous. Je suis derrière. Essayez rien à côté de mon dernier voyage. C'est bon. Tu as éliminé mes gardiens. Je suis foutu. Vas-y, passe. Ah, ça y est. Je vais pouvoir voir ce qu'il y a derrière une de ces portes. Oula, il y a quoi? C'est quoi ce bordel? Oh. Allez, un bon truc. 4000 pièces d'or. Bottes noires de volonté. Gants noirs de volonté, haute tenue noire de volonté, bas tenue noire de volonté. Donc apparemment, on aurait une tenue de mage complète, de mage noir. Tenue de volonté, tenue noire de volonté. Elle est trop belle!
Ça baisse mon armure, mais ça augmente mon charme, mon effroi. Tenue de la dette de la volonté maléfique. Offre une protection contre la magie. Ah, elle est trop belle. Oh, c'est trop soi. Elle est trop trop soi. Du coup, comme j'ai également monté mes trucs de combat, est-ce que le côté sera content? Ah d'accord, ils m'ont carrément enculé les gars. Je sens que je ne tiendrai plus très longtemps. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de Fable Anniversary. Allez, bye bye tout le monde. Do what you want, cause a pirate is free. You.